Salut à tous, comment allez-vous? Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le monsieur Christian. Encore chez moi, tu viens de louer une chambre. Vas-y, avec plaisir, juste à côté de l'étang, c'est parfait. Allez, c'est parti pour une vidéo. Enfin, on peut pêcher au leurre. Ça va être ma première session, plus ou moins, faite spécialement pour chercher que le brochet. Bon, si je fais de la perche, tant mieux. J'ai des chances. C'est possible. Allez, c'est parti. Du cendre aussi. Non, du cendre, on va le laisser. Oui, mais... Parce que c'est la période de fête. Là, ici, ils ont fini. Ils ont fini, ouais. Bon, et apparemment ils ont fini. Apparemment ils ont fini. Bon allez. Il y a des nids vides. Donc, soit ils ont été bouffés, soit ils ont fini. Ils ont peut-être été bouffés. C'est possible, parce que s'il y a du viandard. Ah, il y a du viandard, Hina. Ouais. Du coup, toi tu vas pêcher avec un très gros leurre. Ouais, avec un 9 pouces, il fait le clown là. Il fait 9 pouces. Voilà, et moi, je vais pêcher avec un leurre de 10 cm, le Zia Swimmer, Zia Glider. Je vais essayer les deux. Allez, objectif, gros leurre versus petit leurre. Let's go. On verra. Allez, c'est parti. Allez, la descente. Voilà. Un bouchon noir, dans le bouchon noir. Bienvenue dans le bouchon noir. Non, c'est pas. Ah, t'es un boss. Ah, tu vois la touffe là. Ouais. Eh ben, il était sous le tas de merde. Ils étaient deux, je crois. Alors, si tu lances bien propre là-bas, je pense qu'il y a moyen. Moi, je vais faire le côté. Je vais avancer un petit peu pour pas te gêner. Allez, je vais commencer à pêcher. J'ai pris la Trax MX7 encore, mais cette fois-ci en 7,28 grammes, une canne polyvalente. Et j'y ai mis le MX7 en 3000 light avec une tresse en 11 centièmes spider wire et le petit Zia Swimmer dans la vidéo avec Carna and Tuna. Il avait plutôt bien marché, donc là on va essayer de pêcher le brochet, la perche, hein. Il en a fait suivre des beaux tout à l'heure avant que j'arrive. Du coup, ben, ouais, on fait un petit coup du soir. 50-60, c'est ça. Même 50-60, je valide, hein, fort, hein. Je valide fort. Bon, je vérifie quand même mon... 40, 50, 60, c'est tout. Après, les gros, on les voit un peu moins. Mais... Ah ouais, c'est normal. Hein. Il y a 3 ans, c'était plus... Genre, les prix, c'était plus 70, tu vois. D'accord. Là, soit ils ont été becquetés ou... Bon, enfin, ça m'étonnerait qu'ils aient... Ouais, je sais pas. Alors. Possible, hein. C'est assez près du tas. J'ai pas été très très près, j'ai commencé un peu large. Voilà. Hein? Ah, ils montent, hein, si vous. Même ils sont peut-être suspendus. Peut-être ouais. Que pour ça, au crankbait, j'arrive pas à en faire. Ah, tu vas trop. Je leur passe peut-être en dessous. Ah, c'est possible. Hein. Ça lâche super bien, ça, regarde ça. Ah, mais c'est long, ça. C'est un genre drapeau, demi-tour quand tu t'arrêtes. Ouais. Mettre là sur le mais bon, ouais, ça se fait pas, tu vois. Je vais faire un peu la journée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je te pique les fesses. Pique. Ah bon? Alhamdoulilah. Le quinquin, le quinquin. Je ne saurais dire si en écoufite il y en a pas. Peut-être des autres vins blancs. Je pense plus des blancs. Hein. Je pense plus des blancs parce que normalement le bass il reste jamais loin de ces albins. Ouais, normalement, ouais. C'est plaisir. Ah, non. Risque. Non. J'étais oui. Dans les herbiers. Les herbes. Je peux pas pêcher chatter avec ça, il faudra un gros chatter. Enfin, je pourrais si je veux vraiment, mais pour l'instant c'est un peu chiant. Voilà, j'essaye, tu vois, tranquille, c'est un combo que je viens d'avoir. Du coup, je le teste en même temps. C'est quoi le moulin? C'est un MX7. Michel aussi? Ouais, le dernier. Ça a pas l'air mal, hein. Bon, ça roule, ça tourne. Par contre, ça balance. Hein. Là, par contre, ça balance. Vraiment. Ah, vraiment? Pimé, hein. Non, vraiment, ça. Oh putain! Oh le remous, mon gars! C'est toi ou c'est lui? Ah non, c'est lui. Ah, mais il était pas loin, mon leurre en fait. Ah, il était juste là. Dommage, mon gars. Je t'ai dit, ça marche. T'as eu une touche là, mon vieux. Ça marche. Il y a eu un gros remous là. Mais oui! C'est la jungle, c'est la jungle. Allez, petit Zia Glider, je compte sur toi. Fais du poisson.
des fois oh, tu oh, oh. Ah. Moi par contre j'ai eu. Suivi ou pas? J'ai vu un flash. Peut-être encore derrière. Laisse couler. J'ai vu un flash. J'ai vu un flash, j'ai vu un truc qui s'est retourné. Vous, je regardais. Tu devais avoir un petit au cul. Oh non. Ah bah si. Oh non. Un petit quoi, on sait pas. Que j'ai jamais mesuré d'ailleurs. Mais qui fait 90 plus. Oh le chien, il m'a fait flipper. Ah bah, voilà. La canne. Le chien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le chien. Le chien, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci. Il ne tombe pas. Ouais. Des quoi? Des ah oui. J'ai compris des protège slip. Hein? Protège slip, ouais. La dernière fois j'ai pris des protège slip. Je mets des protège slip. C'est quand je rate des poissons, ça me fait chier, tu vois. Oh, on la garde. Et... Celle-là, on la garde. Et franchement. On peut la garder. Tant. Notez la blague de 1 à 10. Je vais essayer cette bordure. Avec le vent, pour être précis en plus, c'est pas évident. Bah attends, il y a le bon pêcheur et le mauvais pêcheur. Voyons. Ils sont jaillons ou qu'ils sont jaillons? Il est sympa. Au calme. Oh, raté. Raté un pike. Ah. Je viens de rater un pike là, juste là, là. Il est sorti. Non, non, non. Il est sorti de l'herbier là. Devant toi. Il est juste là, là. Je vais mettre un coup de glider pour passer lentement. Ou un petit swimmer, peut-être le swim. Parce que je passe assez vite avec le shatterbait. Il a tapé une fois avec le petit Jex. Je vais mettre le petit swimmer. Pour essayer de le déclencher, mais plus doucement. Ah, il est venu m'attaquer, il est rentré, il est ressorti direct. Allez. Il a attaqué, il est reparti dans sa... Ouais, je l'ai revu repartir. Il est venu bouquer. C'est ça. Ouais, il doit être de nouveau en poste. Ouais, c'est possible. Donc là, je vais... pêcher plus doucement. Oh, t'es sérieux, je suis passé devant lui quoi. Allez, vas-y. Poisson! Wow. Poisson au shatter. Wow. Il allait what? Il était à mes pieds, mon gars. Il était à mes pieds. Un beau poisson au shatterbait. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas très très gros, mais ça fait. Wow, il est décroché.
Il est juste ici là. Hop, il est parti. Bon, premier poisson avec le chatterbait. Malheureusement, il s'est décroché. Bon, j'ai enlevé l'ardillon. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Juste à mes pieds là. Il était dans l'herbier là. Et ouais, ça c'est cool. T'en as raté un? Là, là, ici là. Wow, mon gars! Oh le film! Tu vois, exposé au vent, hein. Je les laisse dans l'eau, T'as bien raison, mon gars. Poisson. Tu savais que ce border, ça allait. Non. Ouais, c'était pas un gros. C'était un 60. Bien joué, mon vieux. Tiens, j'enregistre pas, tu vois. Tu m'avais dit. Ça, c'est le syndrome du youtubeur, du GoProiste. Je suis pas youtubeur, moi. T'es GoProiste. T'es là-bas, à chaque fois ils sont dans le trou ici. Là. Ah, ça m'étonne pas. Fois, ils sont calés là. Ouais. Jusque là, à chaque fois. Et, gros leurre, voilà. Ils viennent d'en déclencher 3, tandis que moi j'en ai déclenché 2. Ah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence pour l'instant. Après, ça brasse de l'eau. Ça brasse de l'eau, t'es plus lent que moi. Ouais, par contre, je pêche hyper lentement. Ouais. Bon. Allez, nice job. Bon, il nous reste une demi-heure, trois quarts d'heure de pêche. On a fait que des décrochés ou des suivis. Mais au moins on a eu du contact, c'est cool. Il n'y a pas vraiment de leurre qui sort du lot, même si quand même Chris déclenche un peu plus avec son gros leurre. Il fait suivre du moins les poissons. Moi avec mon petit shutter, j'ai eu un poisson et un suivi, et une touche pardon. Mais ça fait plaisir déjà, et là on continue jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Allez, c'est pas fini, on y croit, on va sortir un poisson. Let's go. Ah ouais? Hein? Ah ouais, tu peux, hein? Oh, ou tu colmates? Mais non! C'est quoi ce bateau, les gars? T'es mort! Qu'est-ce que ça fout là dans une gravière? Regardez ça! C'est un truc de ouf! Oh, on s'enfonce par contre! Ouais, fais gaffe! Mais non! Imagine, il y a un pike à côté! Oh, ce sera trop beau. T'es coincé? Non. Non, il est bloqué. Ah oui, t'as pas choisi ton chemin, mon cousin. Attends, je vais aller sur une herbe pour éviter de m'enfoncer. Attends, pas sur le côté parce que je peux pas. Ah oui. Je peux pas te mettre un peu genre. C'est sec là. T'es sûr? Attends, parce que je m'enfonce. Merde. Je m'enfonce. T'es sérieux? Oh, attends, laisse-moi ta canne. Attends, je vais faire comme ça. Attends. Oh là là. Oh, je vais être bon. Oh non, je m'enfonce. Non, je m'enfonce aussi. Oh le boulot! Oh non! Oh non! Oh, là là. Oh. En plus, ça fait vent tout, mon gars! Ah, ouais, regardez comment il est enfoncé! Attends, donne-moi ta canne! Donne ta canne! Oh. Allez, ça que je l'aviron! C'est bon? Oh mon gars! Ah, c'est grave et dangereux! Ah, de ouf! C'est bon? Tu veux que je t'aide? Non, mais ça pourrait le faire parce qu'avec les mains, j'ai beaucoup plus d'appui! Oh la tripe. Alors Margotte, tu nous fais quoi? Oh oui. Il vient de naître, il est extrait de la boue. Ça me rappelle, c'est quoi dans... C'était dans Bactari je crois, ouais. Dans Tarzan, ils mouraient les mecs dans les sables mouvants là, à chaque fois. Ça me rappelle exactement ça. Get là.
Oh beau gosse, l'attitude. Regarde l'attitude qu'il a. Ah bah ouais, difficile. Je suis un peu avant, je me mets minable. Genre minable de chez minable. Ouais, tu m'étonnes. J'en ai plein les mains. Alors viens, pas en foot. Si. T'as vu le plateau là? C'est chelou quand même. Hein ouais. Je vais monter le plan, ils ont envie de sauter un peu. Ah ouais, ouais. Ils ont eu le choucave par là. Ils ont eu le choucave par là. Et puis quand ils marchaient plus, bah, ils l'ont laissé là. Là c'est plus clair ici, tu vois. Un peu plus profond. Moyen qu'il y ait du fish ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai ramassé là? Oh. T'en penses aussi? Fais gaffe parce que moi ça a commencé comme ça. Et d'un coup ça fait beau. Genre j'ai traversé une couche, tu vois. On parle de couches culottes, on parle de trucs. Oh, heureusement que j'ai fait une perruque hein, parce que j'allais droit dans l'arbre. Droit dans l'arbre, fais la perruque. Les femmes des années 80, femmes jusqu'au bout des reins. Vous êtes ça. Ça y est, il a pété un peu. Femme, être une femme. Ah, mignac. Il aime bien danser tout nu. Non. Mi mignac. Mignac, c'est le pêcheur du tube. Oh merde, mes lunettes. Oh, oh non. Allez, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Merci Chris. Bah ouais, de rien, écoute. On n'a pas sorti un poisson. Non, mais on en a fait quelques-uns, mais pas sorti. Non. Pas mis au sec. Voilà, on a déclenché des touches. J'en ai déclenché deux, dont un que j'ai pu combattre. Toi tu en as déclenché beaucoup plus avec ton gros glide. Ouais, mais j'en ai piqué réellement que deux. Il y en a un où j'ai fait le combat quoi. Ouais. Et l'autre il s'est dépiqué direct. Par contre avec une action de malade où par le contre, poisson le est sorti poisson, de... ouais, c'était magnifique. J'espère c'est que vous le verrez dans la vidéo parce que j'ai pas encore déroché. Alors... Après moi j'ai des actions juste de avant que tu arrives, de 5 minutes avant que tu arrives aussi. Ouais, parce que le malin il a commencé avant des moi. Des belles petites actions où on voit le brochet qui danse avec le leurre. Donc ça va être pas mal. Après danse avec les stars. Danse avec les leurres. Et une vidéo présentée par Chris sur sa chaîne YouTube qui n'en a pas d'ailleurs. Voilà. Si, si. Mais elle a rien. Ça commence. Ça va commencer mon gars. Voilà. Ça y est, il a acheté une petite GoPro, une petite caméra sportive. Je sais pas faire de montage. Ah. Mais tu te démerdes. Faut que je te paierai pour faire des montages. Avec plaisir, c'est 50 euros le montage. Ouais, écoute. Non, je rigole. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petit aparté, on m'avait traité que je pêchais sur les nids. Mais personne ne m'a jamais vu pêcher sur les nids parce que je ne le fais pas. C'est jaloux ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont déduit? Ils m'ont vu avec des petits leurres comme j'ai pêché aujourd'hui d'ailleurs, des leurres de 5, 10, 15 cm parce que j'estime que 15 cm c'est petit. Ouais, c'est pas du big bait. Quoi. Non. Et ils ont déduit que je pêchais les basses sur les nids à cause du fait qu'ils m'ont vu avec des petits leurres. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de casser la tête avec ça. Les poissons, on les respecte, il n'y a pas de souci. Mais là, vous inventez pas des vies. On sait qu'on ne doit pas pêcher sur les nids. Donc, et on aime les poissons autant que ceux qui font genre les gros défenseurs. Et moi, je suis sûr que vous voyez un basse de 60 sur un nid. Eh bien, que vous fassiez le malin ou pas, vous allez quand même essayer de le choper. Oh oui. Donc c'est facile d'essayer de faire la leçon à tout le monde. Clairement, commencez par vous-même les gars, au lieu de critiquer, de baver sur les gens. Clairement, vivez votre vie et laissez les autres vivre leur vie tranquille. Hein. C'est ça. En tout cas, n'oubliez pas, eh ben, c'est que de la pêche. C'est que de la pêche. Et ne vous prenez pas la tête. Et je vous souhaite une très bonne saison. C'est parti, on va tout déchirer. Dimanche, on refait une petite session. Dimanche, la cano. Ouais. Et on va essayer de vous faire des vidéos diverses et variées. Du bord, en embarqué, en bateau, en flotte tube, comme tu veux. Avec le Youse en plus. Avec le Youse, ouais, on va essayer de vous faire ça. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Si et vous ne vous foutez pas de ma gueule quand je m'enlise dans les sables, dans les boues mouvantes. Ouais, si, foutez-vous. Si. Oh, si, si, quand même. Bon, j'ai encore des C'était bien marrant. On a bien rigolé. J'avoue que ça devait être drôle, même moi, ça m'a fait marrer. C'était morbidement marrant. Ouais. Parce que ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu être dangereux. Voilà. Surtout ne plaisantez pas avec ça. Faites attention dans les gravières et tout, ça peut être chaud des fois. C'est ça. Allez, sur ce, on se laisse. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas, c'est que de la pêche. C'est que de la pêche. Bye bye.